c'est Marie-Chantal Pierre-Georges, qui est représentant ASFAB, qui est l'association des femmes actives de bon repos, qui prend naissance depuis 2005-2006. Mais nous avons une reconnaissance légale nous, en 2007. Nous couvrons Marin, Berger, Lillavoie, Cyber, nous atterrons juste sur route 9 là en bas. Nous recevons un pile de viol. Grand monde a fait sous Timon. Avant, on ne peut pas rentrer dans le cas, il prend plusieurs petits monde en cas là, plusieurs filles. Il prend maman, il prend petite, il prend nièce. Mais avec ASFAB qui vient avec formation sur violence, et nous ne pas dans le bon repos seulement, nous faire, nous allons joindre dans la zone. Et les parents, yo, tout des fois, ils ont des gens tolérants. Nous avons fait arrêter les gens dans le dossier de la justice. Famille garçon qu'on allait négocier avec maman Timon ça dans zone là nous connaissons un pile Timon qui va à l'école nous cherchons parce que nous dans domaine éducation nous cherchons l'école pour eux une jeune fille tout qui pas de possibilité pour apprendre nos métiers nous mettons l'école professionnelle sous pied qui c'est couture cuisine pâtisserie cosmétologie avant femme pas qu'on à l'école c'est ça qui vient nous ça jodi là l'autre femme c'est dans certificat on t'est rivé journée jodi femme rivé dans philo yo aller dans université et puis c'est pas arrêté là dans université pour avancer même genre avec dans tout l'autre pays yo dans toute société côté bagaille yo aller bien droit femme yo respecté pas gagner différence entre femme et garçon. Tout ça, garçon, vous faites, femme, vous faites tout, et nous, société, ça vous marche bien. Société, elle est basée sur femme, sur garçon. Vous avez deux pieds, si vous manquez, vous êtes boiteux. Donc, c'est pour femme, et pour femme, qui bébé avec garçon, pour avancer. Bon, pour femme, instituer tête en leader, pour avancer dans l'élection, pour aller dans l'élection, même avec un garçon, pour pas peur. À ce moment-là, femme a pour et femme, femme, pour aller voter loi qui est bon pour femme. Femme c'est potomita, femme c'est la vie.